C'est pas possible. C'est pas possible. Oh. Une mauvaise journée qui commence? Tu crois pas si bien dire. Je sais pas comment je vais m'en sortir. On est en retard sur le chantier de la grande route et je ne trouve personne de dispo pour renforcer mes équipes. Vous avez essayé les agences d'intérim? Merci, Mathieu. Mais bien sûr, c'est la première chose que j'ai faite. Mais ils n'ont personne de disponible dans leur base de données. Tu vas bien trouver une solution. Et pourquoi tu ferais pas appel à un service d'expertise RH, chérie? Hein? Ah oui. Ce qu'il vous faut, c'est élargir votre recherche à des jeunes sans expérience, mais volontaires, qui, avec une bonne formation et de bons tuteurs, pourront rapidement être opérationnels et devenir vos meilleurs atouts pour plus tard. Le secteur du bâtiment et des travaux publics regroupe des métiers variés, tels que l'étude et l'encadrement de chantiers, la construction, l'aménagement du bâtiment et les travaux publics. On y retrouve trois types de travaux. Les travaux de gros œuvres, le plus souvent en extérieur, rassemblent toutes les étapes permettant la stabilité et la solidité des bâtiments. Le second œuvre, principalement en intérieur, consiste à rendre les bâtiments habitables. Électricité, eau, chauffage, isolation, peinture. Enfin, les travaux publics sont dédiés aux constructions d'ouvrages publics, tels que les routes, les canalisations, les ponts ou les tunnels. L'activité du BTP innove sans cesse pour répondre aux attentes technologiques et environnementales. Il est important d'identifier les normes et la réglementation actuelle. Le nombre de professionnels varie selon le chantier, mais le travail d'équipe reste essentiel. Ainsi, une bonne coordination est primordiale pour assurer la sécurité de tous et le bon déroulement des travaux. Il faut connaître les règles de sécurité car des situations à risque peuvent être rencontrées, notamment avec l'utilisation d'outils tranchants, le travail en hauteur ou encore le port de charges lourdes. Le département du Rhône compte 8270 entreprises du bâtiment et 200 entreprises de travaux publics qui recrutent chaque année tout type de profil. Allant du CAP au Bac plus 5 ingénieur, les voies sont nombreuses pour accéder au métier du BTP, avec des opportunités d'évolution en cours de carrière, notamment vers des postes à responsabilité comme chef de chantier ou vers l'acquisition de savoir-faire spécifiques tels que la conduite d'engins de chantier. Les personnes sans expérience, mais aimant le travail manuel et la construction d'ouvrages utiles, peuvent également être embauchées et faire carrière. Merci Sébastien. On se retrouve demain sur le chantier. Et de 5. Ils sont super ces jeunes. Mais tu vois maman, il y a toujours des solutions.